Waouh. Le coup est énorme à la bulle. On est deuxième en stack si on gagne ce coup, s'il te plaît. Ce soir, c'est Mathieu Passion Poker qui grind. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le stream, bienvenue à tous. On est jeudi, hier c'était une belle session qui se finit un peu de manière frustrante, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et aujourd'hui, on va essayer de concrétiser. On va démarrer tout de suite, j'ai déjà lancé les tournois comme d'habitude. On a le Monster Stack, le Satellite pour le Prime Time, Mystery KO, Deep Run, Nitro, et il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais mettre un peu de tout. Ici, on est 6 sur 8 et il y a 3 tickets et 40 euros pour le quatrième. On est à la bulle TF. Allez, on est all-in ici. Et on a busté sur l'autre. J'avais pas vu. Waouh, l'as. Ah, mais il y a le 4, malheureusement. Ah, c'est dommage. Le 4 nous met mal. Et on finit 8ème, du coup. Décidément. Les sats sont pas pour nous, pour le moment. Oh my god. Let's go. 300 bébés. Oh, le bon start sur le prime time. Oh, la régalade. Brelant, deux top 2. Et moi, j'avais tranquillement... On va essayer d'aller chercher le deuxième bounty, là. Yeehaw! Allez, deux bounty. Et on a deux as ici. Je fais un poil cher, en vrai. Je fais un poil cher. J'avais pas besoin de faire aussi cher. Ok, call. Ah, s'il a deux dames, bon appétit. Hein. Sûrement As-Roi. On essaye de garder le chip lead tout le long du tournoi jusqu'à ce qu'on le gagne. C'est le mec qu'on veut trop. Non, en mode bataille. Ici, 58 000. Non, 63 000. Eh, je suis plus chip leader. Oh la honte. Ouais, j'arrête ce tournoi. 138, 20, 95 et 25. Vous connaissez la chanson, c'est la première heure. On chill tranquille. Damn it. Damn it. J'ai perdu ici. Je vais all-in quand même, mais j'ai perdu, je pense. Là, faut que je joue pour le side pot, quoi qu'il arrive. Oh, je gagne le side et le main pot. Let's go. Let's go. C'est improbable, quand même. On a pris... Oh là là, mais c'est incroyable. Incroyable. 112 000 jetons. Je suis un taré, quand même. Oh, j'ai failli me flinguer mon prime time pour un bluff éclaté au sol. Je suis pas sûr de mon call. Ok, trèfle. Non, dommage. Ok, ok. Oh, je suis insupportable à jouer sur le prime time. Ici, on est quasiment à la bulle. On va payer, of course. Et ici, spot compliqué à la bulle. S'il lui donne brûlant 9, c'est terrible. Oh mec, c'est trop chiant. Je sais pas si je dois fold. Un double up. Il a 9 blindes du coup sur ma blinde. Si ça... En plus, il y a l'augmentation des blindes. Voilà, il va falloir que je prenne des risques. Allez, good luck. Il est important celui-là. Bah, on flop la quinte. 50 euros de KO plus un petit 9 blindes qui fait du bien. Il nous remet dans le jeu 22 blindes et un espoir sur ce tournoi. 92 euros de KO, c'est pas mal. Il peut vous nous sauver la session, ce prime time. Hein. Allez, Bragin. Voilà, tout le monde fold. Je pense pas que je fold. Vamos. Vamos, allez, un gros stack dans ce tournoi. Un gros stack. 15ème sur 96. Allez,
Le dernier tournoi de la soirée, mais pas des moindres, le plus beau de ma grille. Le tournoi que j'ai déjà remporté deux fois et fait une troisième place pour plus cher que les deux autres fois. Une troisième place pendant le confinement qui m'avait rapporté plus de 7000 euros. Tu penses que tu tiltes plus en stream ou hors stream avec des bad beats? Bah, je pense hors stream, hein, clairement. Forcément, quand t'es devant la caméra, tu sais quand même que t'es filmé, etc. Tu fais un peu plus attention, même si je suis quand même assez sans filtre, assez naturel. Je réagis à peu près pareil. Genre, quand je vois que ça me fait chier, je le dis. Et quand je vois que au contraire, ça se passe bien, je le dis. Je suis assez transparent et je pense que ça plaît aussi d'être comme ça. Ça va être un tiers. Bon, on n'a pas forcément la main gagnante ici. Hein. Un 5 nous calmerait. Ok, le 2 est pas trop mal. On fait tout petit. On a souvent une paire en main. Bon, je l'ai vu assez récréatif. Je pense qu'il peut avoir des autres races ici. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je pense qu'une paire, il bête de lui-même. Je sais pas si je peux aller pour de la value river. Un poil sin, mais c'est possible. Je commence à comprendre un peu comment il joue, ce joueur. Ok, on a une paire de 9 sur le prime time. Allez, on y est. Good luck. Non, il a 2-10, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. 9. Non, 10. Ok, bon, c'est pas très grave. On pouvait pas faire grand chose ici. Oh, attention, une petite paire de rois juste derrière. Allez, commande, massif, massif. Ce pote est incroyable. Let's go! Waouh! 77, on est 7ème. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. On n'a pas réussi sur l'Extasia. On peut réussir sur Prime Time ce soir. Oh, deux flèches. Voilà, le seul truc qui est chiant, c'est s'il a deux rois, quoi. Allez, donne-lui deux dames, s'il te plaît, one time. Plus small. Ouais, j'espère qu'il avait pas deux rois. Hein. Franchement, s'il a deux rois, c'est sick, quoi. Je pense qu'il avait deux rois. C'est trop sick. J'aurais pu doubler. Oh. Allez, all in, in. Allez. Faut y aller, faut y aller. Ah, dommage. Oh, come on. Pas d'action, pas d'action. Ok. Bah, j'ai suivi les gars, good luck. Waouh, il fold nice. Allez, ah, dommage, il fait le 10. 4. Ah, le poids, 200 balles. Ah, il fait mal celui-là, il fait mal. Bon, pas en termes de stack, ça va, on aurait pu être pire si on avait eu lui dans le coup. Là, on a une table de short, malheureusement. On va être obligé de faire pas mal de tapis. On est sur une des tables où il y a le plus de short, malheureusement. C'est bien pour l'opportunité d'avoir des bounty, mais il faut run good, quoi. Ça rajoute de la variance. Ouais, merde, putain, va falloir chatter. J'espère juste qu'il a pas genre As-9 ou As-8, ce qui est vraiment le plus chiant s'il a ces mains-là. Ok, c'est parfait. Allez, s'il te plaît. 2. Let's go! Allez, 200 balles, dans 150 balles. Vamos, allez! Waouh, sick, on run good! Oh, deux dames. Oh, attention. Allez, commande. S'il te plaît, pas d'as. Let's go. Allez, on run good, sa mère. Allez, il faut continuer. On est quatrième avec 80 blindes. C'est magnifique. Fuck, je sais pas. Catastrophe. Wow, let's go le fold. Allez. Pas d'as, please. Allez, let's go! Putain, mais on run trop good! À chaque fois, on a une premium, les mecs ont une bonne main en face, c'est incroyable! À chaque fois qu'on a une premium, ils ont une grosse main en face. Je prends 120 euros de KO là. Oh, c'est insane comment on run good ce soir. Ouais, ça y est. Redraw. 3 tables restantes. On a un gros stack à notre gauche, ce qui est pas l'idéal, on commence avec 2 valets. Wow, my god. Wow, ma, mais mec,
à chaque fois que j'ai une premium, les mecs font tapis. Mais c'est quoi ce jeu? Non mais sérieusement, c'est incroyable ce soir là. Sur le prime time, j'ai 500 balles de KO. Je suis celui qui a pris le plus de KO depuis le début là. Il va avoir de neuf, hein. Mec. Oh là là, mais mec, mais c'est incroyable. C'est incroyable. À chaque fois que j'open, il y a un tapis. Je suis type leader. C'est une blague. J'ai pas les mots. Je n'ai rien eu à faire. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je n'ai rien eu à faire. C'est gênant presque. Ouais, c'est ça, genre, what the fuck. Ça n'existe pas. Bah là, s'il fait tapis, on y est. Hein. Ah, dommage, j'y ai cru. Bon, on peut pas tout gagner, hein, mais... Je me suis dit, même quand je suis derrière, je vais chatter, genre, mais non. On peut pas tout gagner, quand même. Faut pas déconner. Bon, les gars, 5 minutes et la prochaine heure, celui qui va se coucher, je comprends pas. Hein. Parce que là, va y avoir de la grosse action. Ça va être du très, très lourd. Waouh. À la bulle. Le coup est énorme à la bulle. On est deuxième en stack si on gagne ce coup, s'il te plaît. Let's go, putain, let's go. Allez, 300 euros. Ouais, bon, je suis en value à la turn, hein, je value. Je sais, de temps en temps, il va avoir un valet. J'ai pas envie de check et avoir une décision river. Waouh. Ah ouais, il y va vraiment avec des poubelles. Oh. C'est un gros bounty, là, pour le coup. Il double up, passe 4 off, 12 bébés. Allez, tous les shorts ont doublé. C'est pas le meilleur scénario pour... Waouh. Et un 5, ce serait pas mal. Il distribue. Waouh, putain, je suis deg. Je suis deg de pas être dans le coup. Ouais, c'est si qui triple up vu que je suis pas dans le coup. Ah, folder tranquillement. Ça, hein. C'est chaud, ils ont tous doublé au moins une fois. Il y a eu que des mecs qui ont doublé depuis tout à l'heure. C'est pas l'idéal pour moi. On va voir. Mais là, je pense que j'ai une image très tight et que je vais pouvoir l'utiliser à mon avantage. Là, par exemple, cet open, je pense qu'il va, les gens vont me donner du crédit. Peut-être même 3 bets. Ouais, dommage. J'ai pas joué une main depuis le début de la TF, mais bien joué à lui. Et je pense que je pourrais pu éviter. Il a open UTG. J'ai pas joué une main depuis le début, je pensais que ça allait être assez crédible, mais c'est vrai qu'il open UTG, il a quand même une main, une range assez strong. Alright, 20 bébés. Allez, on va défendre. J'ai une petite ventrale. Ah, c'est pas une belle turn. Putain, le scénario pas du tout prévu, quoi. Ils ont tous doublé et moi j'ai pas réussi à avoir un seul spot facile. Ouais, si on bust 6ème c'est sick quand même, mais bon, on va pas fold des paires de 9. Ah, c'est dingue, chaque spot d'opet qu'on a, on n'a pas pu les utiliser. Pourtant on a une image assez serrée je pense. Putain, je peux pas jouer demain. Allez, pas de 5. Nice. Allez. Un busto. What the fuck. Il a payé avec 7 et 8. Roi 8. Ah, dommage. Roi 7 off, il a payé. Oh, la dinguerie. On se fait un open de oncle Joe. Aucun souci pour shove. Ici, de toute façon, j'ai plus de pression ICM. Ils ont tous 30 blindes. Moi, j'en ai 11. Aïe. Max Will, s'il se réveille, c'est la cata. Ah putain, ah, va falloir chatter. Allez, un 9 s'il te plaît. Ah, tout de suite la dame. Ah, pas la TF que j'attendais du tout. 5ème place, putain, il y avait tellement un top.
Les paliers étaient tellement huge l'année prochaine. Oh, c'est trop dur ce jeu. Ah, il y avait tellement on top. Oh. Ah, c'est frustrant parce que j'ai l'impression d'avoir raté le coche en début là pour accélérer. J'ai démarré la TF quand même 2 sur 7. C'était pas mal, j'étais bien. Après, Uncle Joe les a tous fait doubler. Et moi, j'ai pas spécialement eu de spots. Le As-9 suit, je pense que c'est un bon shove. J'ai 11 bébés, il open super loose, on l'a vu open 4 et 2 suit, etc. Je pense que c'est un bon shove de ma part, surtout que j'ai plus de pression, ils ont tous 30 blindes. Mais c'est frustrant de ne pas être dans le clan des 30 blindes, parce que je suis sûr que j'aurais été à l'aise là avec les 30 blindes. C'est un peu léger quand même, parce qu'il y a 1300€. Bah, vrai, je suis content, mais je m'attendais tellement à mieux en arrivant deuxième en TF. Bon, bref, merci d'avoir suivi. Merci quand même, j'ai passé un super stream. Vous étiez plus de 700 ce soir, j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Malheureusement, ce sera pas le cas. Il y a encore du chemin, il y a encore du chemin pour aller chercher les grosses perfs. On n'est pas loin, on se rapproche de plus en plus. On a pris quand même 2000 balles ce soir. Beaucoup de gens qui seraient très heureux avec ça. Je vais vous laisser là-dessus. Passez une bonne soirée tout le monde. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Vous étiez plus de 700 à 2h du matin. Prenez soin de vous. Rêvez grand. Bonne soirée tout le monde. Ciao.